satisfait d'avoir livré plutôt un bon match, même s'il n'y a pas eu de but, évidemment. Ouais, sentiment, j'allais dire à la fois mitigé, mais pas déçu, parce que mitigé parce qu'on avait envie évidemment de gagner, mais aussi. Mais je peux pas être déçu parce qu'en face il y avait une équipe qui a certainement lutté pour l'accession, une des meilleures équipes qu'on ait jouées à mon avis depuis une saison. Donc on fait 0-0. Je pense qu'on aurait pu gagner le match à un moment donné. Je pense qu'eux ont eu une ou deux grosses occasions. Ils auraient très bien pu aussi mener au score. Donc voilà, c'est pas un mauvais résultat en soi. Et puis la manière, je pense qu'on a. On a fait le match qu'il fallait pour pouvoir le gagner. On a vu qu'on ne pouvait pas se permettre de se découvrir complètement ou de partir à l'abordage contre une équipe comme ça. Oui, vous êtes solide derrière là. On sent que. Un nouveau match sans prendre de but, Pascal. On est solide, on ne fait pas d'erreurs, on fait moins d'erreurs individuelles, tout le monde travaille bien. On a envie de défendre ensemble. On panique aussi, à mon avis, un petit peu moins que ce que l'on faisait en début de saison. On prend un peu plus de temps pour bien défendre. En début de saison, on était un peu trop pressé, je dirais, pour récupérer le ballon. Là, on sait qu'on est capable de tenir un résultat. Donc, dans la tête des joueurs, c'est totalement différent. On est plus patient. Qu'est-ce qui vous a empêché de marquer? Votre collègue, à l'instant, nous dit on est parvenu en fait à faire déjouer Niort. Est-ce que c'est ça, vraiment? Oui et non, parce qu'on les a mis quand même hors de position quelques fois. On a quand même des occasions de jeu, mais des occasions de but. Après, eux ont effectivement bien joué de coup. Il a manqué un petit peu de justesse technique à un moment donné, mais je pense qu'ils étaient au bord de la rupture entre la deuxième mi-temps et la 70e. Je pense qu'on était proche de marquer ce but. Et puis, ils n'ont pas craqué. Malheureusement, ils n'ont pas craqué, on n'a pas pu marquer dans notre temps fort. Et puis après, ils sont revenus dans le match. Ça s'est fini logiquement, mais eux ont fait un très bon match. Je crois qu'on a fait le match qu'il fallait pour nous perturber. Et puis nous, on n'a pas trouvé toutes les solutions, mais on en a trouvé quand même quelques-unes. Donc voilà, après, ça se joue à un petit peu de réussite à un moment donné. Une chance, je dirais, qui peut nous permettre à un moment donné de mener. Voilà,